Bien. On va passer à quelque chose d'un peu plus sérieux au niveau complexité. Donc voilà, vous allez pouvoir taper microcar et public domaine entre guillemets si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Dans le cadre de la formation aussi, je veux dire, si vous utilisez des images sur lesquelles vous n'avez pas les droits d'auteur, c'est pas grave. Alors chacun va pouvoir aller chercher la voiture qu'il souhaite. Et le but va être de commencer à faire le tour de la voiture avec un tracé. Donc déjà, prenez une voiture qui est vue en entier. Sinon, vous devrez inventer, dupliquer au tampon. Bon, ok. Ben, je vous ai dit qu'on allait faire le tour de la voiture, mais en fait, ce n'est pas tout à fait exact, parce que ça serait le même exercice que pour la poire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tour des différentes parties de la voiture. Et ça va nous permettre deux choses. Premièrement, faire des sélections pour travailler chaque partie de la voiture vraiment séparément. Et ces mêmes tracés pourront nous servir à faire un espèce de pictogramme de la voiture. Donc deux exercices en un, mais on démarre des tracés. Alors, dans la palette des tracés, je crée une vignette en cliquant sur le bloc de feuilles et je vais faire le tour de la partie bleue ici de ma voiture. Vous voyez? Je pourrais même faire uniquement peut-être le pare-brise, tiens, puisqu'il y a une ligne qui... Voilà. On va voir. Partie bleue de la voiture, oui, puis je ferai les parties ici, les phares, les pare-chocs, la plaque. Donc c'est un petit boulot quand même. Bon. Donc ceux qui ne sont pas très à l'aise, démarrez de la même image que moi, c'est-à-dire vous allez devoir taper microcar, public domaine entre guillemets, et vous allez trouver la voiture ici. Elle est très simple en fait, j'ai pas pris une complexe pour que ça aille plus vite en fait, hein. Donc voilà, public domaine, c'est pour trouver des images que j'ai le droit d'utiliser même à des fins commerciales. Tout en sachant que je dois aller vérifier sur la page vraiment ce qu'il en est. Si ça vient de Wikipédia, il n'y a pas besoin de vérifier sur la page. Sinon... Ouais, microcar, public domaine. Ah tiens, c'est super rigolo ça. Hein? Quoi, ça? C'est ridicule, ça. Donc, microcar, public domaine entre guillemets. Ah non, parce que j'ai mis un E en fait à domaine. Ah, évidemment, si tu mets un E à domaine. Voilà. Ok, tu la trouves? Voilà. Donc, ceux qui ne sont pas super à l'aise avec l'exercice, prenez la même image que moi. Finalement, je pense que ce sera bien. Eh bien, je vais faire la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. Dans la palette des calques, je vais aller faire un calque. Bon, bah, première chose que je pourrais faire, c'est tester par les couches éventuellement. Menu fenêtre couche, aller voir si je décoche une des couches. Est-ce que mes tracés, il y a une chance qu'ils soient bien visibles? Non. Pas la couche verte. Non. Je pense que là, oh, peut-être en enlevant la couche bleue, peut-être. Mais je vais quand même affadir l'image. Donc, dans la palette des calques, je vais créer un calque de réglage de type niveau. Menu calque, nouveau calque de réglage de type niveau. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, hein? Donc. Et puis, j'affadis. Ok. Faut juste que je trouve ici pourquoi ça marche pas. Ah, mais parce qu'il y a un masque vectoriel. Ah, mais oui, parce que j'avais fait une vignette
Un gros piège quand même. Hein. J'avais fait une vignette de tracé, je m'apprêtais à dessiner. Et puis je viens de créer un masque, un calque de réglage. Le tracé, la vignette qui était sélectionnée dans la palette des tracés, une copie s'est mise sur le calque de réglage dans la palette des calques. Et en fait, ça empêche que le réglage agisse. Donc je vais le jeter. Donc souvenez-vous de ça, c'est vraiment le gros piège. Le fait que quand il y a une vignette activée dans la palette des tracés et qu'on crée un calque de réglage, une copie de la vignette se met sur le calque de réglage. C'est juste pour le nouveau calque. Donc, dans le nouveau calque que vous avez créé de réglage, il y a un mode ou une couleur? Parce que moi je vois gris, mais quand je casse, c'est un calque de réglage niveau et puis tu arrives à niveau. Oui, un menu calque, nouveau calque de réglage de type niveau. Oui, il faut jeter la vignette du tracé qui s'est mise sur le calque. Gros piège de Photoshop. Ah, si tu l'avais blanc, c'est que tu n'avais pas encore fait la vignette dans la palette des tracés, peut-être. Voilà. Comme quoi, parfois être en retard et ne pas faire les choses vous évite de vous planter. Ok, dans la palette des tracés, je clique sur la vignette pour indiquer que je vais tracer là-dedans. Je prends la plume. Alors, la plume, vous avez des modes ici, en haut. On est en mode tracé, ça veut dire qu'on fait des tracés sans couleur. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent sur les poires. Pour changer le curseur, c'est comment déjà ? Si on ne veut pas le... Donc... Il y a un autre mode qui est accessible, c'est le mode forme. Si vous choisissez ça, ça va faire des calques avec de la couleur, en fait. Comme quand on trace au rectangle. Donc, ce qu'il nous faut, c'est bien la vignette, l'option qui est ici, tracer. Ça veut dire tracer sans couleur, en fait. Ok, et j'y vais rapidement. Donc, la partie bleue de ma carrosserie. Donc, touche majuscule, verrouillage majuscule pour... touche verrouillage majuscule. Alors... Regardez bien, oui. Pour la carrosserie, je vais passer à travers tout. Par exemple, je ne vais pas m'amuser à faire le contour du pare-choc. Parce qu'en fait, dans une autre vignette de tracé, je ferai le pare-choc. Donc je trace à travers tout comme ça. Bon, si c'est pas nickel, c'est pas grave. Bon, bel exercice pour appliquer ce qui a été vu avant. Alors, je vais enregistrer régulièrement. Autour de toute la voiture ou... Non, dans ce cas-ci, finalement, pour l'exercice, c'est pas plus mal de faire chaque partie de la voiture, en fait. Donc j'ai fait le contour ici, comme tu vois, de la carrosserie. Okay.
Ensuite, je vais créer une autre vignette dans la palette des tracés et je vais faire les parties secondaires de la carrosserie. Donc notamment le phare. Et en fait, le phare, il y a plusieurs parties au phare. Il y a la partie en vert ici. Et puis, il y aura la partie en chrome. Et on va faire ça à l'économie. Ok, ça c'est la partie en vert. Je crée une autre vignette. Alors, on peut peut-être renommer. Hein. Sinon, on ne va pas s'y retrouver. Les vignettes, vous pouvez les renommer. Donc, une fois que mes sélections seront faites, que mes tracés seront faits, je vais m'en servir pour générer des sélections qui vont permettre de contrôler vraiment l'aspect de toutes les différentes parties de la voiture. Et vous allez voir que ça va vous permettre d'obtenir une retouche hyper réaliste. Vous allez pouvoir aller plus loin que la réalité. Ça va ressembler même parfois à une illustration. Donc si on vous demande de sublimer une photo d'un objet industriel, que ce soit une voiture, un aspirateur ou n'importe quoi, la technique qu'on voit ici, qui est la technique des tracés combinés, va vous servir. Pourquoi tracés combinés ? Parce qu'une fois qu'on les aura faits, on va les combiner ensemble pour faire des sélections. Alors regardez bien. Regardez bien ceci pour le chrome du gros phare. Vous le voyez, mon tracé là. Je ne vais pas faire le phare à l'intérieur, parce que je l'ai déjà fait là. Donc à l'économie, si j'ai déjà fait le contour d'un objet quelque part, je ne le refais pas. Vous comprenez ? Alors, je vais simplifier, je vais juste faire le phare et les pare-chocs, et il y aura les vitres aussi. On va pas tout faire. Hein. Alors, en fait, ce genre de choses, ça a été mon boulot pendant des années. Dans les années 90, j'étais photograveur. Et spécialisé en retouche de voitures. Et donc on recevait, mais c'est une époque bon, complètement différente de celle-ci, hein. On recevait des hectares, donc des diapositives de studios anglais avec des montages où ils mettaient en scène des voitures dans des environnements. Typiquement, je travaillais sur des voitures Jeep, Chrysler, Viper, des choses comme ça. Et mon boulot, c'était de scanner et de retoucher pour en faire des publicités qui sont distribuées un peu partout. Magazines, publicités dans la ville, etc. Et on avait un bon succès parce que ils étaient très contents du boulot. Ils ne comprenaient pas comment on arrivait à faire un boulot de qualité comme ça. Ben, c'est bêtement ça, en fait, hein. Il y a un boulot extrêmement ennuyeux au départ qui consiste à entourer chaque partie de la voiture. Une fois que c'est fait, on a un contrôle total sur le résultat. On peut manipuler chaque partie de la voiture, la contrôler, les chromes, les sublimer les chromes, etc. Et donc les boîtes de pub qui nous refilaient ces hectares nous rachetaient, ben non seulement ils nous payaient pour faire le boulot, mais en plus, ils nous rachetaient le fichier numérique, pour le diffuser, pour le réutiliser dans d'autres pays. Allez. Ben voilà. Ouais, mais ça, c'est pas donné, alors. Ben, c'est une époque où il y avait encore de l'argent.
Ok, donc ici, dans le tracé 2, j'ai fait les pare-chocs. Je vais renommer ça pare-chocs. Quoi d'autre? Ouais, la plaque éventuellement. Non, à la fin des années 90, la qualité a fort baissé, en fait. Les exigences, le côté économique a pris le pas sur la qualité des images. Donc tous les métiers changent. Photograveur, ça n'existe plus d'ailleurs. Avant, c'était un métier, mais photograveur, maintenant, c'est un métier. D'ailleurs, c'est peut-être la première fois que vous entendez le nom photograveur. Spécialiste en scan et retouche d'images. Oui. Où ça, à Bruxelles? Ah oui. Maintenant, si on peut faire un tracé dans un autre tracé, ça change rien. Ben, pour la suite, il vaut mieux les faire dans des vignettes séparées. Mais c'est pas grave, je vais faire l'erreur et tu vas voir comment on peut très rapidement s'en sortir. Donc ici, j'ai la plaque de la voiture, voilà. Il y a des éléments que j'ai pris de la voiture, je voulais mettre à part. Bon, dans la même vignette, je vais aller faire la poignée ici de la porte. Donc dans la vignette qui concerne normalement la plaque minéralogique, j'ai fait également la poignée de la porte. Erreur de ma part, donc c'est pas grave. Je duplique le tracé. Je la renomme poignée. Voilà. Et dans ce tracé poignée, avec la flèche, je vais aller faire une sélection sur la plaque. Touche suppression une fois, deux fois. Elle est partie. Et dans la plaque, processus inverse, dans le tracé de la plaque, je vais aller sélectionner la poignée. Une fois, deux fois, elle est partie, donc voilà une solution. Ok, je vais terminer avec les fenêtres et puis on va avancer dans le boulot parce qu'on n'a pas que ça à faire. Hein. Donc voyons ça. D'abord l'essuie-glace ici qui dans mon cas déborde sur la fenêtre. Alors l'image est vraiment de mauvaise qualité au niveau du nombre de pixels, mais c'est pas grave, hein, le principe sera vu. Okay. Alors, j'ai pas fait une recherche sur le web. Si ça tombe, elle est en meilleure qualité avec plus de pixels. Vous connaissez la recherche par image dans Google. Si vous avez un fichier compatible web, JPEG, PNG ou GIF, vous pouvez le déplacer dans le navigateur et Google vous dit partout où se trouve cette image sur le web. Et peut-être que vous allez trouver une version avec plus de pixels. Ok, alors pour la fenêtre, voilà, fenêtre ici. Et je vais appeler ça extérieur fenêtre. C'est quoi l'astuce avec les images? Donc, quand on a un fichier JPEG ou compatible web PNG GIF, quoi, on le déplace dans Google Images et il nous montre toutes les images identiques sur le web et peut-être même qu'elle est en meilleure qualité, votre image que vous avez. Et alors, ce qui est intéressant au niveau créatif, c'est qu'il vous montre aussi les images similaires. Si vous amenez, par exemple, l'image d'un guerrier grec dans Google, il va vous montrer plein d'autres images de guerriers grecs. Et pour faire des travaux créatifs, base documentaire, c'est intéressant. Alors, je vais appeler ça intérieur fenêtre. Et donc, dans cette vignette, je vais faire l'intérieur de la fenêtre. C'est important parce qu'il y a un bord en chrome ici
et on va devoir le travailler. Ce boulot de préparation, si vous connaissez un jeune infographiste que vous voulez arrondir ses fins de mois, vous pouvez le payer. Je veux dire, quand vous êtes dans le métier, vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même. À la limite, on peut faire ça par des enfants même, hein, s'ils sont un peu doués. Ses propres enfants, on peut les exploiter, non? C'est ceux des autres qu'on ne peut pas exploiter. Ils avaient des copains à la maison. Il suffit de les convaincre que c'est rigolo à faire. Il y en a, ils aiment bien. C'est de plus en plus jeune, mais c'est pas un peu trop chaud. Donc, si vous n'avez pas sauvegardé depuis le début, en cas de coupure de courant, vous perdez tout. On est d'accord, hein? Voilà, j'ai fait quelques tracés. Alors, si quelqu'un est totalement perdu et qu'il veut récupérer mon fichier, je l'envoie sur le serveur. C'est vous qui dites. Vous le voulez? Tu dis le tracé? En fait, ils avaient fait un tracé de la voiture, la silhouette de la voiture. Entièrement, non. Alors, je te montre. Hein, en enfonçant la touche contrôle, je vais pouvoir aller te montrer ici rapidement les différentes parties que. Ah ouais, ok. C'est parce qu'il y a des parties qui rentrent dans la silhouette. Enfin, on les fait comme ça sans définir le tracé. Les parties qui rentrent dans la silhouette, qui sont à l'intérieur, le phare par exemple. Oui, c'est ça. Oui, on fait comme ça, oui. Non, non. Ok, je fais 2-3 petits tracés, puis je vous envoie ça sur le serveur. Et donc, ceux qui veulent pourront démarrer de mon fichier. Les roues. Alors, les roues de voiture en vue, en perspective, comme ça, comme dans cette photo, c'est extrêmement difficile à faire, les tracés. Ça n'est pas évident de faire des tracés qui permettent de vraiment bien entourer la chose correctement. Ce sont des ellipses et, oui, si c'est mal fait, ça va se voir tout de suite. On va avoir l'impression que la roue est dégonflée, quoi.
Vous connaissez l'histoire des courbes ici, vous savez qui a inventé ça? Bézier. Un fou, vous dites? Non, il n'était pas fou, mais... Donc, Bézier a inventé ça pour le secteur de l'automobile. C'est pour la première fois qu'on pouvait décrire la forme d'une courbe avec seulement la position de 4 points. Donc, avec son système de tension, en fait, il a permis de simplifier la description des courbes. Et donc, ça a été repris dans le premier produit que Adobe a créé en 1982, qui est le langage de programmation PostScript. Ça fait partie du PostScript, c'est ça qui sert à détourer les images. Waouh. Bien entendu, on va faire ça pour des images très importantes. On ne va pas passer du temps à faire ça pour une image, pour chaque image. Hein. C'est vraiment pour les images qui sont clés dans votre création. Voilà, je vous ai mis mon fichier smallest-02.psd sur le serveur. Donc ceux qui veulent, vous pouvez démarrer de ça.